Vi ringrazio per assistere a questo incontro. Si tratta di un dialogo esperto che realizziamo, che Indire realizza all'interno della misura di sostegno alle scuole che è nata durante il periodo dell'emergenza Covid. Questo è un momento particolarmente intenso in cui stiamo ripensando, riprogettando le scuole, pensando a una ripartenza. E Indire, come Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, si è posto la questione di sostenere attraverso le reti di innovazione che ha in atto, le scuole che desiderano mettere in atto misure di trasformazione, di innovazione, di cambiamento. All'interno di queste ha un ruolo particolarmente significativo anche la community e-twinning che propone dei gemellaggi a livello internazionale. È all'interno di questa rete e-twinning che conduciamo oggi questo colloquio esperto. Il mio nome è Maria Chiara Pettenati, sono dirigente di ricerca Indire e do il benvenuto oggi al professor Hubert Mention del Québec a Canada o Montréal. Comment je dois dire? Montréal, Québec, c'est bon. Ok, e insieme alla mia collega Isabelle de Morissen, che condurrà l'intervista, entrambi sono di origine belga, e quindi io diciamo, vorrei iniziare questo tema introducendo il nostro ospite di oggi. Il professor Hubert Mention è fondatore dell'Université dans la Nature, Università nella Natura. E questa è un'università che sviluppa programmi basati su oltre 30 anni di ricerca scientifica sugli effetti della natura sul benessere delle persone. Nella cornice dell'Agenda 2030, Hubert Mention, all'interno di questa università, ha sviluppato dei programmi per le scuole del Quebec per connettere gli studenti con la natura. Ci sembra particolarmente importante in questo momento un dialogo esperto, un dialogo di esperienza su questo tema. Perché all'interno della cornice dell'Agenda 2030 abbiamo compreso, vivendo questo periodo particolare di esperienza di trasformazione della vita, della scuola e della scuola in particolare anche, come alcuni goal, alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile sono particolarmente centrali, ma soprattutto sono particolarmente interconnessi tra loro. Mi riferisco per esempio al goal 3, salute e benessere, ma anche al goal 15, vita sulla terra. Abbiamo appreso quanto siano profondamente interconnessi questi due obiettivi che apparentemente potevamo pensare essere disgiunti. Il messaggio dello sviluppo sostenibile è un messaggio che rafforza il legame profondo tra le dimensioni ambientali, economiche, sociali e istituzionali. Ed ecco quindi che all'interno di questa cornice ci fa particolarmente piacere parlare con chi ha un'esperienza di connessione profonda di educazione. Educazione, salute e benessere, natura. Quindi io lascio la parola alla mia collega Isabelle de Morissen, che è ricercatrice di Indire, che con me condivide da tanti anni esperienza di formazione, la formazione degli insegnanti ai temi dell'educazione allo sviluppo sostenibile. Isabelle de Morissen intervista oggi il professor Hubert Mention. Grazie Isabelle, ti lascio la parola. Sì, grazie Maria Chiara et bonsoir Hubert Mention. Et voilà ma première question à propos de l'Université de la Nature que tu as fondée. Tout le monde, évidemment, on vient de passer une période longue de lockdown, mais tout le monde aime se promener dans la forêt, aller au bord de l'eau, etc., au bord de la mer. Parce qu'évidemment, on se sent mieux physiquement. Je voulais savoir, est-ce que le fait d'être dans la nature, c'est aussi des bienfaits aussi sur non seulement physiquement, mais aussi sur notre aspect psychique, et en particulier pour les enfants? Alors, bonsoir Isabelle et pardon aux auditeurs de parler en français parce que mon italien il est très loin, mais j'ai très hâte de retrouver cette langue que j'aime beaucoup et que j'ai parlé il y a longtemps. Alors, oui, bien sûr, il y a des tas de recherches qui sont faites depuis des années et qui sont incroyables. Les résultats de ces recherches sont incroyables. Mais avant de répondre vraiment à ta question, je voudrais d'abord parler de l'impact de la ville sur la santé mentale des enfants parce que, et des adultes en général, parce que c'est quelque chose d'important. On pense qu'aujourd'hui, les enfants qui n'ont pas passé les 10 premières années de leur vie dans la nature ont 55% de probabilité de maladie mentale en plus
par rapport à ceux qui ont été dans les espaces verts. C'est énorme. Il y a un lien très fort entre les espaces verts et la santé mentale qui reste un lien connu mais peu expliqué. C'est-à-dire qu'on connaît assez peu les raisons de tout ça, mais c'est très fort. Alors, évidemment, il y a aussi, je crois que c'est une chose importante dans le monde vers lequel on va, il y a une méconnaissance de plus en plus grande de la nature, puisque la nature est de plus en plus loin des individus et particulièrement des enfants. Une étude a montré qu'un enfant de 8 ans, par exemple en Angleterre, identifie mieux les Pokémon que les espèces naturelles qui sont autour de lui. Un enfant américain peut reconnaître 1000 logos de marque, mais il ne peut pas reconnaître 1000 plantes de son environnement. Donc, il y a un phénomène qu'on est en train d'appeler, qu'on appelle depuis un certain temps l'extinction de l'expérience, qui fait que de génération en génération, on s'éloigne de plus en plus de la nature, et donc nos standards pour savoir ce qu'est la nature, que faire dans la nature, ben, ils deviennent de plus en plus abstraits. Je crois que, j'en reparlerai plus tard, mais il est évident que l'état de la planète actuelle fait qu'on a besoin de gens qui se mobilisent pour la nature, et toutes les études montrent qu'informer ne suffit pas, et que pour que les gens changent leur comportement, il faut qu'il y ait une relation réelle entre eux et la nature, et une relation qui soit même affective. Alors, maintenant, au niveau, pour répondre strictement à ta question, le premier effet de la nature qui est avéré depuis les années 70, c'est la restauration de l'attention. Je voudrais juste dire que l'attention est une sorte de muscle qui se fatigue très vite. Et donc, la question, c'est comment retrouver, comment restaurer ces facultés d'attention. Et depuis les années 70, qui sont les années dans lesquelles ont vraiment débuté ces années, on sait que le fait de regarder la nature, pour toute une série de raisons que je t'expliquerai si tu veux, mais que le fait de regarder la nature a pour effet de restaurer les capacités attentionnelles des individus. C'est donc très important pour les enfants, on en parlera peut-être un peu plus tard, surtout les enfants qui sont dans une classe, parce qu'on leur demande de faire beaucoup d'attention. C'est même vrai d'ailleurs pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, hein, ce qu'on appelle en français les TDAH. Des études ont montré que des enfants qui ont ce trouble de l'attention se concentrent beaucoup mieux après une promenade dans un parc qu'après une promenade dans la ville. C'est aussi le fait qu'ils voient de la verdure, qu'ils voient des arbres, qui restaure peu à peu leur attention et qui fait donc qu'ils peuvent se concentrer mieux. Il y a des impacts importants aussi sur l'impulsivité et l'agressivité. On constate que quand des adultes et des enfants sont placés dans des conditions naturelles, ils prennent moins de décisions impulsives et ils sont moins agressifs. Il y a aussi un impact fort sur la mémoire à court terme. Dès qu'il y a un contact avec la nature, il y a une augmentation de la mémoire à court terme. Il y a bien entendu une diminution du stress. Le stress, mais ça aussi, c'est étudié depuis très longtemps. Et le fait de se retrouver dans la nature, on peut le mesurer par le cortisol, par la conductivité de la peau, par toute une série de choses, le stress diminue énormément. Il y a bien sûr une diminution des risques d'obésité, ça c'est pour la santé physique, parce que quand on est dans la nature, on a plutôt tendance à bouger. Il y a une augmentation de l'estime de soi, qui est mesurée aussi. Et enfin, on voit qu'il y a des résultats scolaires qui sont améliorés dès qu'il y a de la verdure. Alors, il peut s'agir soit de voir la nature par une fenêtre de classe, par exemple, mais évidemment, il peut aussi s'agir d'être dans la nature quand on suit des cours. Donc, c'est un peu ça le panorama qui est quand même très important, parce que je te passe tout ce qui est la santé cardiaque, par exemple, mais très important de l'impact de la nature sur la santé des adultes et des enfants. Merci d'avoir répondu à cette première question. Et je me demandais évidemment, tu es au Canada dans un autre contexte, beaucoup plus vert, disons, par rapport à l'Italie. Et en Italie, beaucoup d'écoles se concentrent dans les zones urbaines ou dans les environs des zones urbaines. Et donc, je me demandais comment faire pour... parce que bon, l'université, ton université dans la nature que tu as fondée avec ton groupe d'études, comment faites-vous pour disons, reconnecter justement les étudiants avec la nature? Est-ce que c'est la nature qui doit aller dans les écoles ou bien c'est l'école qui doit aller dans la nature? Alors, c'est une très bonne question et il faut évidemment
C'est une question qui suppose la définition de plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce que la nature? Et deuxièmement, qu'est-ce que la connexion avec la nature? Ah, si tu veux donner une définition de la nature, oui, ce serait intéressant. Non, mais c'est ça. La nature, c'est pas facile, je crois. Non, non. Et la nature, en fait, il y a une centaine de définitions de la nature. Et je pense qu'on peut, il n'y a pas d'accord actuellement sur une définition objective de ce qu'est la nature. Mais est-ce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que quand on pose la question à un enfant ou à un adulte, quel est le type de nature qu'il lui faut, on s'aperçoit de quelque chose de très intéressant. C'est que pour un adulte, pour avoir l'impression de se connecter à la nature, a généralement besoin d'être en immersion dans un espace naturel relativement grand. Une forêt ou une grande forêt, etc. Mais ce n'est pas du tout le cas pour les enfants. Toutes les études ont montré qu'un enfant n'a besoin que d'un tout petit morceau de nature pour avoir la sensation de se connecter à la nature. Donc, en fait, pour un enfant, très souvent, un arbre va suffire, une plante peut suffire, une friche industrielle dans laquelle on a replanté des choses peut suffire. Donc, un enfant n'a pas du tout besoin de la même chose que les adultes pour avoir ce sentiment de se connecter à la nature. C'est très important parce que sinon, ce serait impossible, évidemment, dans des pays très urbains comme l'Italie, mais le Canada aussi, de connecter les enfants à la nature. Donc, le contact avec la nature, ça peut être pour un enfant simplement le contact avec un arbre. D'ailleurs, je crois que si on fouille dans nos souvenirs d'enfants, on s'apercevra toujours que nos premiers souvenirs de nature, ce sont des petits endroits dans lesquels on a ressenti quelque chose de très fort. Alors, notre approche à nous, elle est relativement simple, c'est que nous, on s'intéresse fondamentalement à la relation entre l'humain et la nature. Donc, ça, c'est vraiment le cœur de ce qu'on fait. Ceci veut dire que nous ne sommes pas du tout intéressés, par exemple, par une promenade botanique. Nous n'emmenons pas des enfants dans la nature pour leur dire ceci est un sapin, ceci est un platane, etc. Parce que ça ne crée pas la relation. Ce qu'on essaie de leur montrer et de leur faire expérimenter, c'est une question que la science a beaucoup mise de côté pendant longtemps, c'est ce que la nature leur fait. C'est-à-dire quelque chose de d'abord subjectif, qu'est-ce qu'ils ont comme impression, comme sensation quand ils sont dans la nature, et on vient corroborer cette sensation par toute une série d'expériences qu'on fait avec eux, mais aussi de découvertes scientifiques qui ont été faites dans les années précédentes, et on leur montre qu'en fait, ils ne rêvent pas, qu'effectivement, la nature fait du bien à tous leurs sens, que la nature fait du bien à leur cerveau, et l'idée, c'est de rétablir, donc de reconnecter notre relation tout à fait normale avec la nature. Il faut quand même dire que l'espèce humaine a passé, disent les historiens, plus de 99% de son temps d'évolution dans la nature. C'est énorme. Et ça veut donc dire que nos sens, notre corps, tout a été fait par la nature pour être adapté à la nature. Un exemple simple, mais qui est quand même extraordinaire, c'est que beaucoup de scientifiques pensent aujourd'hui que si nous marchons, si l'être humain marche, c'est à cause du fait qu'il a appris à se suspendre. Et il a appris à se suspendre aux branches des arbres, et ce sont les arbres qui ont redressé l'être humain. Et ceci a eu des conséquences incroyables parce que apparemment c'est le fait que l'être humain se soit relevé qui lui a permis aussi de rencontrer les possibilités physiques de langage, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec son pharynx qui lui a permis de commencer à émettre des sons. Donc ça c'est vrai pour l'évolution en général, mais par exemple notre vision est très adaptée à la nature, notre audition est très adaptée à la nature. En fait, nous sommes beaucoup plus adaptés à la nature que à la ville. La preuve, c'est que quand nous sommes dans la ville, la plupart du temps, nous allons fermer tous nos sens. Hein. On ne va pas respirer parce qu'on trouve que ça ne sent pas bon, on ne va pas écouter parce qu'on trouve qu'il y a trop de bruit, on ne va pas toucher parce qu'on trouve que c'est sale, et on ne va certainement pas goûter pour les mêmes raisons. Or, quand on est dans la nature, c'est tout l'inverse qui se passe. On a envie de respirer, on a envie d'entendre, on a envie de toucher. Donc, c'est bien la preuve que nos sens sont profondément adaptés. Donc, il faut retrouver cette relation avec les sens dans la nature, et c'est ce que nous faisons. On apprend aux enfants comme c'est bon. Par exemple, je te donne un exemple très simple. On a découvert que dans le sous-sol forestier, il y a une bactérie et que cette bactérie, les scientifiques l'appellent le nouveau Prozac parce qu'elle aurait un impact énorme sur le stress. Et que donc, le fait pour un enfant de jouer dans la terre et de respirer cet humus forestier dans lequel se trouve cette bactérie est très, très bon
pour son développement. Donc, on leur dit, regardez, c'est bon de faire ça, ce n'est pas sale, essayez de le faire, regardez comme ça sent bon. On leur explique ce que c'est, on leur donne toute une série de données scientifiques dans un seul but, qui est qu'ils puissent après retourner de façon autonome dans la nature et que donc, ils apprennent que la nature est un partenaire de santé mentale. C'est un partenaire de santé mentale et c'est ça qu'on veut leur montrer. Donc, je reviens maintenant tout à fait à ta question. Dans les zones qui sont très urbaines, évidemment, il n'est pas question de, pour l'instant en tout cas, de commencer à créer des forêts, etc. Surtout que ce qu'on sait, c'est que pour les populations défavorisées socialement, il y a ce qu'on appelle l'injustice environnementale, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont moins de revenus vont moins dans la nature parce qu'il faut de l'argent pour aller dans une forêt, il faut prendre le bus, il faut faire toute une série de choses. Or, ce que les chercheurs nous disent, c'est que c'est auprès de ces populations que la nature a le plus d'impact, auprès des populations les plus défavorisées. Donc, il faut absolument trouver des solutions pour installer la nature dans l'école. Parce qu'on ne peut pas déménager les écoles, on ne peut pas toujours non plus verdir très facilement les écoles. Donc, il faut faire toute une série de choses pour peu à peu rapprocher les enfants de la nature. Et il y a plein de moyens de faire ça. Écoute, c'est très, très intéressant ce que tu viens de dire et ça me rappelle plein de questions. Bon, tu as parlé de l'inégalité et donc c'est très intéressant cet aspect par rapport à la pauvreté éducative, non? On parle souvent en Italie de pauvreté éducative et on pense, je crois, que dans les critères qui considèrent la pauvreté éducative, on n'englobe pas la nature. Et donc ça, c'est très intéressant. Tu m'as fait penser à un certain moment au fait, j'imagine, petits-enfants, mais peut-être aussi les plus grands, de toucher la terre, d'être en contact physique avec la terre. Et je me suis souvenue de ce livre de Lévi-Strauss qui prônait le retour à l'humidité. Terme que, justement, l'anthropologue Lévi-Strauss aimait bien parce que ça renvoie à l'idée du sol. Humidité, humus, l'homme nu, dont il a écrit ce livre, l'homme nu. Et face justement à la nature avec laquelle justement on s'est complètement déconnecté. Et justement, on se rend compte aussi après le lockdown et tout ce qui s'est passé avec la pandémie que ce détachement de la nature a créé de gros problèmes. Je me dis aussi que, une expérience, je crois que beaucoup d'enfants ont, c'est qu'ils sont tellement déconnectés que la nature leur fait peur. Est-ce que tu crois que tu ne crois pas qu'on a besoin d'une rééducation justement pour pas avoir peur? Parce que de plus en plus, moi je ne sais pas, si on se promène avec des personnes qui ne vont jamais dans la forêt, ils ont peur. Ah oui. D'ailleurs, il y a en France, par exemple, il y a une expérience qui a été faite il n'y a pas tellement longtemps, une enseignante qui emmenait des jeunes enfants dans la nature, des enfants qui avaient une dizaine d'années, et qui leur a dit « maintenant, on va marcher pieds nus dans l'herbe ». Et les petites filles se sont écriées « quoi ? Mais c'est dégueulasse, on ne peut pas mettre ses pieds dans l'herbe, etc. » Donc, ça veut dire qu'elles ont perdu. Et c'est ça le problème de l'extinction de l'expérience. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas vu leurs parents faire ça, ils ne vont jamais le faire. Et ainsi de suite, on va s'éloigner de plus en plus. Et donc, les problèmes de santé mentale risquent beaucoup d'exagérer. Donc, pour répondre à ta question, oui, il faut absolument rééduquer. Moi, je suis très étonné, par exemple, de voir, parce que j'habite dans la nature et donc je fais souvent venir des gens chez moi, très peu de gens savent faire du feu, par exemple. Très peu de gens savent faire du feu. Pour faire du feu, ils prennent un morceau de papier, ils prennent des grosses bûches et puis ils s'étonnent que ça ne prend pas. Et donc, c'est quand même incroyable de ne pas arriver à faire du feu, mais ce n'est pas leur faute, ils l'ont pas appris. Donc oui, il y a une rééducation à faire, mais il y a aussi à faire une éducation qui n'a jamais été faite. C'est-à-dire que ce qui a été fait finalement depuis le XVIIIe siècle, c'est d'objectifier la nature, c'est-à-dire d'étudier la nature en tant que telle, mais ne jamais étudier notre lien avec cette nature. Alors que quand nous sommes dans la nature, je veux dire, c'est bien joli de dire aux gens « ceci est un être et ceci est un érable », mais ça ne sert à rien concrètement. Ce qui est important, c'est de se dire, mais, par exemple, pour te donner une chose simple, on dit ça d'un arbre, voilà, c'est un platane.
Mais c'est un platane pour qui, en fait? C'est un platane pour les botanistes, parce que pour les oiseaux, ce n'est pas ça. Pour la plupart des animaux, c'est un immeuble, un arbre, parce qu'il y a plein d'insectes qui vont venir habiter dessus, il y a des oiseaux qui viennent habiter dessus. Donc, tu vois, il y a tout ce côté philosophique, et je trouve qu'avec des enfants, c'est très intéressant d'aller dans une forêt avec eux et de leur dire, c'est quoi pour toi, ça? Parce que c'est toujours insister sur la relation. Et alors, ça n'a pas été fait à cause de la grande peur de l'anthropomorphisme. Les scientifiques ont très peur qu'on commence à dire cet arbre est sympathique, j'aime cet arbre, etc. Et il faut surtout pas établir une relation même sentimentale ou affective avec le végétal. Mais pourtant, avec l'état de la planète aujourd'hui, c'est évidemment l'émotion qui va faire en sorte que les gens vont bouger. Ce n'est pas des statistiques. Et la preuve a été faite avec Greta. Greta a réussi, qu'on soit d'accord avec elle ou pas, c'est un autre problème, mais elle a réussi à mobiliser des masses énormes alors que toutes les déclarations de l'ONU, de comités scientifiques n'ont pas réussi à le faire. C'est parce qu'il y a cette émotion derrière. Donc quand on parle de rééduquer à la nature, en fait, oui, il faut que l'humain réapprivoise un peu la nature, mais en même temps, il faut absolument lui montrer la nouvelle voie, et je pense que la nouvelle voie, que d'ailleurs on retrouve dans la science aussi, c'est la voie de la relation. Et je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je crois qu'il faut pas, quand on parle de nature, il faut pas confondre nature et environnement. Je pense que ça, c'est un très grand piège, parce que actuellement, ce qu'on voit, en tout cas au Canada, c'est que la plupart de ce qu'ils appellent l'éducation à la nature est en fait une éducation à l'environnement. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants comment recycler les déchets. Mais ça a très peu de rapport avec la nature. C'est évidemment pris dans quelque chose de très global et c'est important, mais ce n'est pas ça la nature. Et quand on parle du recyclage des déchets, le problème, c'est qu'on place de plus en plus les enfants dans un état de dépression environnementale qui est très connu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont tout à fait persuadés que la nature est foutue, que c'est à cause de l'homme qui est donc un grand méchant et qu'il n'y a plus rien à faire. Le problème est global. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est vraiment l'inverse qu'il faut faire. C'est leur faire aimer la nature et c'est en l'aimant, évidemment, qu'ils vont vouloir la protéger. C'est comme un humain, ben, il protège ce qu'il aime. Donc c'est ça, cette rééducation aussi. Ok, donc je voulais savoir aussi, je pensais à le nombre d'enfants à propos de la pauvreté éducative en général, mais aussi en Italie, il y a un très haut taux de NEET, non? No Employment Educational Training. On dit aussi qu'ils ne sont pas engagés, donc not engaged in education, employment or training. Et en Italie, on a un chiffre très très haut parce que c'est carrément 23%, plus de 23%, et donc par rapport au plus ou moins 12%, disons, de l'Union européenne. Et je pensais particulièrement si la nature a une influence sur la motivation, parce qu'évidemment, ces jeunes qui sont souvent dans des zones urbaines, parce qu'il y a un rapport. Et aussi un rapport, comme tu disais avant, avec la famille, etc. Donc où ils habitent, etc. Ce qu'ils font. Est-ce que la nature justement peut aider à se motiver, mais pas seulement à connaître la nature, mais se motiver à étudier et justement pas être en décrochage scolaire? Oui, absolument. Et il y a des expériences qui ont été faites là-dessus, notamment d'ailleurs au Canada, qui ont montré. Donc, on a pris des enfants, là, on leur a donné des cours dans la nature. Mais donner des cours dans la nature, ça peut vouloir dire donner des cours dans un parc, hein. Je voudrais, avant d'entrer dans ce cas-là, revenir 2 secondes sur la question de l'attention, parce qu'elle est essentielle dans ce qu'on est en train de dire. Il y a eu une théorie qui a été développée en ce qui concerne les travailleurs de bureau, qui a été développée en Amérique du Nord et qui après s'est répandue à peu près partout. C'est la théorie de ce qu'on appelle le lean office, hein, c'est-à-dire le bureau maigre, d'une certaine manière. L'idée était la suivante, c'était de dire, pour que des employés soient les plus productifs possibles, il ne faut pas qu'ils aient de sources de distraction, notamment de distraction visuelle, dans leur bureau. Donc, ce que nous allons faire, c'est qu'on va enlever des bureaux tout ce qui est photos de famille, posters de ceci, posters de cela, parce que comme ça, l'employé va être hyper concentré sur son travail et va être plus productif. Cette théorie donc du Lean Office est une théorie qui a eu un succès énorme dans le monde entier et qui pourtant n'a jamais été prouvée. Donc tout le monde y a cru parce que ça a arrangé toute une série de raisons, mais ça n'a jamais été prouvé. Et ce qu'on a vu dès les années 70 en Allemagne,
c'est que en fait, c'était contre-productif de faire comme ça. Et je veux rappeler que les écoles, hein, les écoles, les hôpitaux et les bureaux sont tous construits à peu près sur le même modèle, qui est le modèle de la captation de l'attention. Quand on voit comment est une classe, ben, en fait, une classe, c'est des élèves qui sont assis ou qui sont, oui, en fait, qui sont assis et qui doivent tous regarder dans la même direction. C'est vraiment une captation de l'attention comme le spectacle. À cause donc de cette captation de l'attention, l'attention est tout le temps sollicitée, c'est quand même énorme. Donc, dans les bureaux, on s'est aperçu que oui, ils sont plus concentrés quand il n'y a pas de choses autour d'eux, mais le problème, c'est que leur attention se fatigue très vite et qu'ils n'ont pas de possibilité de restaurer leur attention quand elle est fatiguée. Et à partir du moment où on a commencé à mettre de la végétation, des images de nature et toute une série d'autres choses dont je pourrais parler plus tard, on s'est aperçu que ça... Peut-être que ça les distrayait un peu, mais ce que ça faisait surtout, c'est que ça leur permettait de récupérer leur seuil attentionnel. Et il a été mesuré dans des études très intéressantes qu'il y a une augmentation de la productivité des employés de 25% quand on a végétalisé des bureaux. Donc, c'est énorme, 25%. Et c'est exactement donc la même chose dans les écoles. À partir du moment où, dans une école, on donne à l'enfant qui est en train de suivre un cours la possibilité de restaurer son attention, on lui permet d'une certaine manière de partir et puis de revenir, ça lui permet de rester beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, quand on a étudié dans les bureaux, parce que ça a fait l'objet de beaucoup d'études, quel était l'impact, par exemple, d'avoir une vue sur la nature, sur l'absence professionnelle, hein, sur ce qu'ils appellent les sick leaves, les gens qui partent parce qu'ils sont malades, eh bien, on a vu qu'il y avait une augmentation de la rétention de près de 15%. Donc, si c'est vrai pour des employés, c'est pour l'attention des employés, c'est aussi vrai pour l'attention des enfants. Et il est très important donc de commencer à se dire que il faut rendre le milieu éducatif vivant. Il faut que l'enfant soit en rapport avec des éléments vivants, comme dans les bureaux, parce que ça va diminuer considérablement l'absentéisme. Ce qui a été mesuré dans les expériences qui ont été faites en nature, c'est on évaluait les enfants via les enseignants et on comptait ce qu'on appelle des redirections, c'est-à-dire le nombre de fois où l'enseignant doit arrêter son enseignement pour rediriger l'attention des élèves sur ce que l'on demande de faire. Eh bien, ces redirections, dès l'instant où il y avait un contexte de nature, diminuaient drastiquement. Donc, c'est bien la preuve qu'un environnement visuel, parce qu'ici, on ne parle que de ça, il y a d'autres aspects, mais un environnement visuel permet aux étudiants de renouveler leur attention et de garder leur énergie à l'intérieur du groupe. Je veux aussi dire que, en ce qui concerne les interactions sociales entre les enfants, dès l'instant où il y a une cour de récréation avec des éléments naturels, on constate que les interactions sont beaucoup plus riches. Et je crois que ça aussi, ça contribue au fait que les enfants considèrent... moi, je suis un enseignant, donc je connais très bien le problème. J'enseigne à des adultes, mais je sais très bien qu'ils ont besoin d'avoir des interactions sociales et d'avoir un esprit de groupe pour vouloir continuer ensemble. Eh bien, cet esprit de groupe, il se manifeste encore plus qu'il y a des activités qui se passent à l'extérieur en nature. Merci. Alors, je me demandais, je ne sais pas si tu connais Stefano Mancuso, c'est un neurobiologue qui s'occupe justement de l'influence de la nature, justement, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur des édifices, donc, mais plus du point de vue de la pollution, mais aussi du bien-être. Et donc, ça rejoint un peu ces expérimentations, disons, justement, sur la serre qu'il a à Florence. Il est en train de faire des expériences, justement, sur la présence de plantes à l'intérieur des bâtiments. Et je crois que c'est important parce qu'il a affirmé que dans 30 ans, on aura plus de 70%, 70% de la population mondiale qui sera concentrée dans les zones urbaines. Donc, ça veut dire que le problème va être de plus en plus fort et le détachement de la nature probablement sera de plus en plus important. Tu vois, dans les populations défavorisées, il y a ici au Canada, par exemple, aussi beaucoup les immigrants. Et on s'est rendu compte que beaucoup d'immigrants ne vont pas dans la nature. On a remarqué ça aux États-Unis aussi, parce que toute la communication qui est faite pour les parcs, par exemple, elle est toujours faite, les gens que tu y vois sont toujours des blancs.
Donc, il y a toute une partie de la population qui s'est dit, ben, c'est pas pour nous, on ne serait pas les bienvenus si on allait là. Donc, il y a d'abord une question d'image, il y a vraiment une question de communication, de dire, ben, la nature, c'est pour tout le monde, et donc, c'est des choses aussi simples que de montrer la diversité dans la nature. Et ça, c'est très important. Maintenant, dans les populations immigrantes, il y a un autre problème qui se pose au Canada, je ne sais pas si ça se pose en Italie, c'est que les immigrants, ils arrivent ici avec toutes les connaissances qu'ils ont sur la nature de chez eux, qui peut être dangereuse, hein, parce qu'il peut, par exemple, ici au Québec, il n'y a pas de serpents venimeux, mais dans beaucoup de pays, il y en a, donc quand ils arrivent ici, ils ne savent pas s'ils peuvent marcher pieds nus, ils ne savent pas, ils ont entendu parler des ours, ils se disent, est-ce qu'il y a des ours qui peuvent être dans les jardins publics? Enfin, tout ça, ils ne savent pas. Donc, il y a ces connaissances-là, je crois qu'on doit reconnaître l'importance de les informer, et donc, il faut peu à peu les emmener dans la nature. Alors ici, nous, on travaille avec des gens qui s'appellent des travailleurs de rue, c'est-à-dire des gens qui sont payés par le gouvernement, qui vont auprès de populations défavorisées, de familles d'immigrants pauvres, et on essaie de les emmener dans la nature pour parler, pour que peu à peu, ils apprivoisent la nature, parce qu'ils sont soumis à des stress énormes. Les immigrants qui arrivent ici, qui n'ont pas de moyens, c'est absolument énorme. Et la nature, c'est une façon de s'intégrer dans un pays qui est extraordinaire, parce que quand tu arrives dans la nature d'un pays, tu as besoin de quelqu'un de ce pays pour t'expliquer justement qu'il n'y a pas d'animaux dangereux ou qu'il y en a, mais que c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Donc ça crée un lien humain avec comme décor la nature et c'est une intégration très importante. Donc au niveau du public, je crois qu'il faut replacer la nature dans le discours public et pour ça, il est très important de ne pas avoir comme discours sur la nature uniquement le discours la nature est en danger. Parce que ce qui est vraiment en danger, c'est l'espèce humaine. Ce n'est pas la nature. La nature a eu des catastrophes beaucoup plus grandes que ce qu'on connaît et elle a toujours survécu. Mais l'espèce humaine n'a pas toujours été là et ne sera pas toujours là. Donc c'est bien l'espèce humaine qu'il faut mettre en avant, que nous on met en avant, en relation harmonieuse avec la nature. Mais j'ai peur que le discours aujourd'hui soit complètement monopolisé par la peur de la disparition de la biodiversité, qui évidemment est un problème, mais ce n'est pas que ce problème-là. Et je vois de plus en plus d'espaces publics, par exemple, où l'humain n'est plus accepté parce que on dit attention, ça va mettre en danger telle espèce de champignon, telle espèce de fleur, etc. Et ça aussi, ça contribue à l'éloignement. Alors qu'en fait, il y a une harmonie possible, il y a un équilibre possible entre les deux. Et Et dans les écoles, que peut-on faire? Je crois que Maria Chiara voulait savoir aussi, alors. du point de vue un chef d'établissement, par exemple, que peut faire un chef d'établissement dans une ville, Alors comme voilà. Milan ou Rome ou une grande ville, Turin ou Florence Bon, alors ou une voilà. ville du Sud Sur cette question-là, on croit donc amener la nature dans l'école, ça peut se faire de plein de façons. Premièrement, ce qui est très important, c'est l'aspect visuel. Alors, soit on peut voir la nature par une fenêtre, c'est-à-dire qu'on a planté des arbres, etc. Mais s'il n'y en a pas, on peut aussi installer des murales, c'est-à-dire soit des photos de nature. Plein d'études ont montré que le fait de regarder des photos de nature, c'est très, très bon pour le stress. Il y a aujourd'hui des tas de possibilités pour qu'on ait un mur entier couvert d'une photo de forêt, par exemple. Ça fait un effet qui est absolument magnifique et qui ne demande pas un aménagement qui soit très cher. Il y a évidemment la question de la lumière du soleil. Quel que soit le quartier dans lequel on est, généralement, on peut avoir accès à la lumière du soleil. Or, l'impact de la lumière naturelle sur la myopie des enfants, hein, la myopie des enfants, leur attention, leur niveau de stress, etc., c'est connu depuis très longtemps. Donc, il faut favoriser au maximum la lumière naturelle. Il faut aussi mettre des plantes dans les classes. Il y a moyen, ce n'est pas très compliqué hein, de mettre des plantes. Et Stefano Mancuso, qui est une sommité scientifique, je suis bien content qu'il existe et que ses travaux soient connus, a montré effectivement que les plantes peuvent dépolluer, mais la simple vue d'une plante restaure l'attention. Ça aussi, ça a été montré, hein, de mettre des grandes plantes. Alors, il faut en mettre un certain nombre, il faut un certain type de plantes, mais on sait très bien que quand on fait ça dans les bureaux ou dans les classes, ça restaure l'attention. Il y a aussi les sons de la nature, parce qu'on a une tendance toujours à limiter la nature à l'aspect visuel, mais il y a plein d'autres choses, les sons de la nature. Il y a des hôpitaux psychiatriques pour enfants et des hôpitaux pédiatriques qui diffusent, par exemple, dans les couloirs, dans les salles d'attente, des chants d'oiseaux. Simplement diffuser des chants d'oiseaux. Hein. Faire écouter à des enfants de temps en temps des chants d'oiseaux, ça ne demande pas non plus de moyens énormes. Il y a aussi, concernant l'aspect sonore, on a fait beaucoup d'études pour montrer que
le moyen le plus efficace et le moins onéreux pour faire diminuer un bruit ambiant, le bruit de conversation, etc., c'est une cascade d'eau. Donc, le fait de mettre dans les classes, dans des endroits communs, des petites cascades d'eau qui vont émettre ce bruit, d'abord, c'est agréable à regarder. En plus, c'est bon pour l'air, mais ça va surtout diminuer le bruit ambiant parce qu'il y a fatigue auditive, c'est très important aussi. Il y a aussi moyen quand même de faire pousser dans une cour, peut-être pas des arbres, mais au moins des buissons, hein, au moins des buissons, donc quelque chose d'absolument naturel. Et il y a quelque chose dont je voudrais dire un mot, parce que je trouve que cette étude est vraiment intéressante. On a étudié l'impact qu'avaient les constructions de jeux dans les jardins. Dans les jardins publics, il y a toujours des tas de trucs qui sont construits, qui sont fixes pour les enfants. Mais en fait, on s'est aperçu, ce sont des chercheurs de Ottawa, ici au Canada, qui se sont aperçus qu'en fait, pour un enfant, c'est beaucoup plus profitable de construire lui-même avec des morceaux de bois, etc., ce avec quoi il va jouer, que d'aller sur des structures qui sont toutes faites. Et donc, ça, c'est encore mieux pour les écoles parce que c'est donc encore moins cher que de devoir acheter des structures toutes faites. Donc, encourager les enfants avec des morceaux de bois à se construire quelque chose, une petite cachette, quelque chose qui va pouvoir s'approprier, parce que la nature, pour les enfants, c'est aussi un endroit où on peut se cacher. C'est très important, ça, hein, l'endroit où on peut s'abriter. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites pour essayer de comprendre quel était l'abri recherché en général par les mammifères, par les êtres vivants, et la caractéristique de tous les abris, c'est un endroit où on peut voir sans être vu, hein, un endroit où on peut voir ce qui se passe à l'extérieur sans être vu. Et c'est ce que veut faire un enfant aussi quand il fait une tente en dessous de la table ou qu'il se cache. Donc, il faut permettre aussi. Donc, autrement dit, il y a moyen de faire beaucoup d'aménagements qui ne sont pas très coûteux dans les écoles pour rapprocher la nature, même de manière virtuelle, pour rapprocher la nature des enfants. Parce que la question de ce qu'est la connexion avec la nature, elle est définie par tous les scientifiques comme un sentiment subjectif d'appartenance à quelque chose de plus grand. C'est un sentiment et c'est subjectif, hein. Donc, ce n'est pas du tout la question d'avoir beaucoup d'arbres autour de soi. On peut être dans une forêt et être complètement déconnecté de la nature, exactement comme je peux être dans un restaurant et être déconnecté des gens qui s'y trouvent, hein. Mais par contre, le sentiment subjectif d'appartenance à quelque chose de plus grand, c'est ça. Et ça, ça peut vraiment être transmis par l'enseignant. L'enseignant peut vraiment transmettre ce fait que nous sommes des êtres faits par la nature pour vivre dans la nature, que tout est vivant, qu'il y a une interrelation. Au Canada, une étude avait été faite pour essayer de comprendre pourquoi les enseignants n'emmenaient pas plus souvent les enfants dans la nature. Parce que, comme tu le disais, Isabelle, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de jardins. Eh bien, une des raisons, c'était que certains enseignants avaient peur de ne pas pouvoir répondre aux questions des enfants sur des aspects botaniques. Ils avaient peur qu'on leur dise « Ah, c'est quoi comme arbre ? C'est quoi ce champ d'oiseaux ?» et de ne pas pouvoir répondre. Et je crois que c'est justement de ça qu'il faut sortir. Nous, ce qu'on fait quand on fait l'activité de reconnexion nature, c'est qu'on dit aux gens « Si vous nous demandez quelle est l'espèce de cet arbre ou quel est le son de cet oiseau, nous n'allons jamais vous répondre, nos guides ne peuvent pas vous répondre parce que nous voulons que vous fassiez la recherche vous-même. » mais nous ne sommes pas dans la Bible, dans la relation. Donc, un enseignant qui transmet l'amour de la nature, même s'il n'est pas dans la nature, hein, parce qu'il faut quand même dire que tous les grands mouvements de protection de la nature sont venus des villes, ils ne sont pas venus des gens qui vivaient dans la nature. Donc, le fait de vivre en ville n'empêche pas du tout de se connecter à la nature. Au contraire, c'est la soif de nature créée par la ville qui va protéger la nature. C'est pour ça que moi, je ne pense pas que la ville soit un truc hyper négatif par rapport à la nature qui serait hyper positif. Non, c'est un ensemble de choses. Mais donc, l'amour de la nature que peut transmettre un enseignant en racontant des histoires de son enfance, en emmenant de temps en temps des enfants dans un parc, ça peut changer une vie, ça. Mais merci. Écoute, je vois là tout de suite une objection qui pourrait être faite par certains professeurs, c'est-à-dire le problème de la sécurité. Parce que forcément, l'école est responsable des enfants et donc déjà sortir, c'est difficile, mais la nature donc comporte peut-être des risques. Et je me demande si, donc, évidemment, de mettre un poster au fond de l'école, au fond de la classe, ça ne comporte pas de risques, mais de commencer à planter des arbres ou des choses comme ça, est-ce que tu crois que ça peut être empêcher justement les chefs d'établissement de prendre cette voie de la nature, disons?
Ça, c'est une très bonne question, hein, parce qu'effectivement, on parle toujours des enfants, mais moi, je crois que le vrai problème, c'est les parents. Hein. Le vrai problème dans beaucoup de situations, ce sont les parents. Et toutes les études montrent que les enfants vont de moins en moins dans la nature, non pas à cause des écoles, mais à cause des parents. Et les raisons statistiques qui sont données, c'est souvent la peur de rencontrer des gens. Ce n'est pas tellement la peur de la nature, mais c'est la peur qu'ils tombent sur un exhibitionniste dans un parc ou quelque chose comme ça, et la peur du trafic. Et la peur du trafic. Et on constate donc qu'il y a eu, depuis les années 70, un rétrécissement absolument incroyable du cercle dans lequel un enfant pouvait se promener librement. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, et tu as raison de le soulever, d'autant plus qu'il se greffe à un problème des assurances. Si, par exemple, au Canada, il n'y a pas d'arbres dans les cours de récréation, c'est parce que les compagnies d'assurance exigent des primes d'assurance plus élevées si on met des arbres, parce qu'ils ont peur que les enfants grimpent dessus. Donc, il y a cette. Et alors que, par ailleurs, tu as des compagnies d'assurance qui donnent de l'argent pour qu'on replante des arbres dans les cours. Donc, c'est complètement contradictoire. Mais oui, c'est sûr que. Il y a une peur qui s'installe de plus en plus. Les Américains, par exemple, qui vivent en ville, eh bien, quand ils vont dans la nature, ils préfèrent aller sur des chemins pavés. Donc, ils savent même plus ce que ça veut dire marcher dans une forêt sans chemin. Et donc, ça se transmet aux parents. Alors, il y a nécessairement des parents qu'il faut amener dans la nature aussi. Parce que c'est sûr qu'un enseignant ne peut pas prendre le risque d'avoir tous les parents contre lui. Et donc, il faut multiplier les assurances, les garanties, les ceci et les cela. Malheureusement, l'éducation des parents, il faut la faire parce qu'elle reste vraiment à faire. Et peux-tu faire un exemple d'une activité que vous faites avec des professeurs, avec des enseignants, dans quel genre d'activité? Un exemple, peut-être si tu peux faire un exemple, peut-être pour l'école primaire et l'école secondaire, parce que, ou bien c'est les mêmes activités, parce que ça n'a rien à voir, ou bien où l'âge des enfants a une influence dans la formation des professeurs. Ah oui, ça a une influence. Disons que nous, ce qu'on a créé, c'est une activité qui dure à peu près 1 heure et demie et qui va être adaptée en fonction du public. Donc, c'est pas la même activité, c'est pas exactement la même chose pour un enfant de primaire ou pour un universitaire, mais fondamentalement, c'est la même chose. Et notre activité, elle est très simple. Elle s'adresse à chacun des sens. Donc, par exemple, on va développer la question de l'odorat. L'odorat dans la nature. Alors, l'odorat dans la nature, il y a plusieurs éléments. Donc, il y a à quoi servent les odeurs dans la nature, par exemple. Et ça, ce que va faire le professeur, c'est qu'il va demander en classe à des étudiants de faire un travail. Le travail que nous, on propose, c'est d'analyser une étude scientifique qui a déjà été faite. Donc, l'enfant, on lui demande de lire l'étude. Alors, elle est parfois simplifiée en fonction de l'âge de l'enfant, mais pour qu'il comprenne ce que c'est une démarche scientifique. Et ça, il peut le faire avec un professeur de sciences qui va expliquer ce que c'est les statistiques, comment, hein, ce qu'on veut rechercher, etc. Et il va faire cette étude-là un peu accompagné par son prof, mais en réalité, il ne va donner la synthèse de cette étude que quand il va être dans la forêt avec les autres. Donc, chaque enfant va parler d'une étude qu'il a particulièrement aimée sur un aspect, l'odorat, la vue, tous les sens. Et dans l'activité elle-même, le professeur va proposer certaines activités. Je te parlais tout à l'heure, par exemple, de respirer l'humus de la terre. Hein. Le professeur va expliquer ça, il va proposer à tout le monde de faire la même chose. Mais il va, par exemple, concernant les odeurs, il va expliquer que, en fait, les odeurs qui sont dégagées par les arbres, c'est le vocabulaire des arbres. C'est comme ça qu'ils communiquent entre eux. Il y a des tas de parallèles qui peuvent être faits par rapport à, par exemple, la croissance d'un arbre et la croissance d'un enfant, parce qu'on peut expliquer que quand un arbre grandit trop vite, pour trouver de la lumière, eh bien, il n'a pas le temps d'avoir un tronc assez solide. Alors, il va développer peut-être des maladies plus tard qui vont faire qu'il va tomber. Donc, c'est important de grandir lentement. Donc, on peut faire toute une série de parallèles qui sont dans la forêt. Et alors, donc, ça se fait pour le toucher, ça se fait, je le disais, pour l'ouïe, par exemple, l'importance du silence. Moi, j'ai souvent fait avec des enfants cette expérience dans la forêt que j'ai toujours trouvée étonnante, c'est de se taire complètement, d'aller dans une forêt et de dire aux enfants, moi, la première fois, j'avais 2 enfants, le premier qui parle, il fait la vaisselle, alors ils se sont tus immédiatement. Mais on se taisait et je disais, quel est le son le plus loin que vous entendez? Donc, pas quel est l'animal que vous entendez, parce qu'ils ne savent pas, mais simplement quel est le son le plus loin? Eh bien, la plupart des enfants sont tellement peu habitués au silence de la forêt
qu'ils adorent cette expérience et que souvent après, ils demandent de la refaire, de dire « est-ce qu'on peut encore se taire ?» Autant dire que ma réponse était tout de suite « oui, oui, il n'y a pas de problème ». Mais et ce qui est bien de expliquer, c'est que la science a découvert que le silence et le calme est très bon pour le cerveau parce que ça permet d'évacuer les déchets qui sont créés par le processus de pensée dans le cerveau. Donc, tu vois, c'est un ensemble de choses. Et donc, l'idée, c'est qu'en sortant de cette expérience, ils se disent ben, « décidément, la nature, c'est d'une richesse incroyable. La prochaine fois que je me sens mal, je vais aller dans la nature et ça va me faire du bien. » Mais que ce soit fait sur une base qui soit quand même scientifique et rationnelle. Écoute, je te remercie beaucoup pour avoir répondu à nos questions. C'est vraiment très, très intéressant. J'espère qu'on pourra appliquer ces méthodes de l'Université de la Nature aussi en Italie. Et je voulais rappeler à tout le monde, avec Maria Chiara, que cet enregistrement sera suivi d'un rendez-vous avec toi, donc un webinar où les professeurs pourront te poser directement des questions. Et Maria Chiara, si tu veux peut-être conclure l'interview ou de poser une autre question. Et en fait, oui, j'aurais plein de questions. En fait, je me demande, mais je pense qu'il faut laisser beaucoup de questions pour la prochaine fois quand on va se rencontrer à nouveau avec toi. Et j'ai marqué trois passages. D'abord, les résultats de la recherche. Plusieurs dizaines d'années de recherche que tu as conduites avec ton équipe de recherche tu as un trésor de recherche qui peuvent être enseignés aux enseignants et aux écoles. Et donc, une fois que ces résultats peuvent être partagés avec les enseignants, déjà, je pense que c'est un premier pas. Le deuxième, je pense, qui est la recommandation que tu as donnée, c'est installer la nature. Là, tu as suggéré des voies, des possibilités, et aussi tu as décrit des situations peu chères pour installer la nature. Et donc, ça, c'est un chemin à suivre. Mais la chose qui m'intrigue le plus, mais je pense qu'il faut la laisser pour la prochaine rencontre qu'on va avoir avec toi, c'est de comment enseigner reconnecter, à joindre la relation. Tu as parlé de recherche et expérience subjective. Donc, ce n'est pas aller dans la nature reconnaître des arbres ou des plantes, c'est essayer d'être éduqué à connecter, à créer une relation avec la nature. Là, je pense que les premières personnes qui doivent être formées pour conduire ces parcours dans les jeunes, c'est les enseignants. Mais je pense que sur ça, on peut revenir avec toi à la prochaine fois. Qu'en penses-tu? Mais tu as tout à fait raison, c'est ça. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on forme des guides, tu vois, parce que notre intention, c'est que le monde entier puisse se reconnecter à la nature. Donc l'idée c'est d'enseigner aux guides ce qu'il faut savoir et puis comment le faire, et les enseignants c'est sûr que c'est les premiers qui peuvent faire ça parce qu'ils savent déjà comment on fait pour apprendre quelque chose, c'est pas, tout le monde ne sait pas ça, il y a un enseignant formé pour le faire et voilà, maintenant il faut évidemment trouver des enseignants qui ont cette connexion, cet amour de la nature, parce que c'est quand même l'amour qui est la base de tout ça, hein. C'est l'amour d'être dans la nature, d'avoir des l'amour du vivant. Mais une fois qu'on a ça, tout le monde peut devenir un guide de reconnexion, c'est sûr. Je dirais que l'amour, c'est le premier pas pour enseigner quoi que ce soit, non oui, pas seulement exactement. La reconnexion dans la nature. Là, absolument. J'aimerais que l'amour soit à la base pour tout enseignement. Oui, oui, absolument. Pour la vie. Oui, l'amour pour la vie, oui, tout à fait.